هذا في الفوليوم هذا بلو تروبيكال ماشي قبل ما نبلت الفوليوم تكا وتحت لك نمشي شوية عجاني الزاد Il est arrivé devant une foule en liesse et il l'a bien mérité. Yann Poliès s'est remporté à Dieppe la 44e solitaire du Figaro. L'étape a été remportée par Adrien Hardin, arrivé deuxième. C'est bien Yann Elias qui a gagné la solitaire. Et c'est la première fois depuis 37 ans qu'un skipper conserve son titre sur cette première épreuve. Il a bloqué, vraiment bloqué une grande partie de la flotte comparaison de son équipe d'amis de Jérémy Debout. Il faut faire plus simple à la main de la santé. Il a trouvé un peu de réussite à la première étape. Cette deuxième victoire consécutive, même Yann Elias n'y croyait pas au départ de la 4e étape à Roscoff. J'ai passé une heure d'avance à une heure d'attard. J'y croyais plus. Après, j'ai demandé à faire du soutien. Voilà un bon résumé de la solitaire du Figaro. Une épreuve douloureuse qui se mérite et où les écarts sont peut-être très importants. Pour le directeur de course, Jules Ferry, Yann Elias doit cette victoire d'abord à un grand mental. C'est une psychologie, la tête de niveau. Il a besoin de trouver des ressources pour se préparer. Juste avant l'arbitre. Cet élément-là, rupture des clés sur la troisième étape, être un élément favorable à une mise en condition pour frapper un grand coup et faire un break. C'est ça qu'elle aime chez moi. Je suis d'abord à Torre Eiffel. Le vent, Yann Elias l'a déjà dit, il reviendra sur la scène. C'est une option. Et peut-être dès l'an prochain. Ce serait dommage de ne pas le tenter en tout cas. Quand on a connu ça, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie que ça dure. Avant cela, d'autres projets lui traversent l'esprit. Refaire par exemple un Vendée Globe ou alors du multicoque. À la fin de l'année, il sera en compagnie d'Erwan Leroux en team avant 50 plus pour la première de Jacques contre le Havre et le Brésil. Je fais la Jacques Vannes avec un commissaire avec Erwan Leroux. C'était un peu mal, effectivement. C'est un peu marrant de son qualité. J'ai hâte. Une première tendance qui vient d'être communiquée donc pour l'ensemble du département de Lot-et-Garonne. On a dépouillé 51 euros de vote. Gagnant à l'heure fait là interdit. Deuxième position. Non, même première. Et ça nous donne au niveau de Jean-Louis Coste, maire UMP, conseiller général de Tumel, en léger avance. Corps diplomatique. 50,60% des voix dans ces 51 bureaux donc. Moi, qui dit le décentenaire. Le candidat du Front National. J'ai des effets de détresse. 49,40% des voix. On sait que c'est une élection qui va être serrée jusqu'au dernier moment. À l'hôtel de ville où je me trouve, au rez-de-chaussée, plusieurs centaines d'habitants de Villeneuve-sur-Lot sont venus assister au dépouillement. Les agents qui sont chargés d'ouvrir les bulletins font des petits paquets. Mac. Et on nous parle de quelques dizaines de voix d'écart. Il faut savoir que la semaine dernière, après le premier tour, 879 voix seulement, c'est par l'UMP que c'est arrivé légèrement en tête du candidat Front National, Michel Bouquet, cette année. Donc, lui a prévu, il a déjà annoncé.
Et si Gardona en direct de l'Union sur l'autre, on vous retrouvera tout à faire ici pour encore une équipe qui va poursuivre donc les détournements de Rocardo et bien sûr les annonces de résultats positifs sur France Info. Arnaud, vous te dis, il y a des autres de l'Europe, concentre vous êtes plus largement que dans cette circonscription du Lot-et-Garonne. Il s'agit pour lui de José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. On va écouter le ministre du Redressement productif, il était tout à l'heure sur France Inter. Quand vous avez des gens comme M. Barroso qui déclare l'exception culturelle, c'est-à-dire l'exception à la concurrence, au commerce de tout, à la mondialisation, alors qu'il y a 75% des Français qui sont contre la mondialisation telle qu'elle existe, vous avez le président de la Commission européenne qui dit « Tous ceux qui sont anti-mondialisation, c'est des réactionnaires ». C'est-à-dire des gens qui, aujourd'hui, ont institutionnalisé l'Union européenne comme anti-peuple européen. Et à partir de là, les peuples sont en train de se rebeller. Pour dire les choses clairement, c'est le jeu des internationales, M. Barroso. Mais M. Barroso est le carburant du Front National. Voilà la vérité. Il est le carburant de ces grillons. Et d'ailleurs, tous les chefs dirigeants allemands, européens, qui ne voient pas que l'Union européenne est la base. Basta Oblkhair. شنو بس ياسر؟ بس أبو الخير؟ سلام Arnaud, nous avons vu le ministre des Relations Productives il y a quelques instants sur France Inter. Bernard Tapie, entendu demain par la loi financière, M. Donald Dumont, c'est toujours l'arbitrage qui a permis d'obtenir 403 millions d'euros en 2008 pour solder son litige avec le crédit lyonnais. Denis Deber, venu à Paris avec une partie de leur préfet, la SNCA et les bonnes agriculteurs, a voulu de nature à grande distribution pour la stratégie de la stratégie de la stratégie de la stratégie. La branche qui est servie à porter l'un des intérêts est encore sur la ligne de la route est aménagée et protégée, mais ici c'est plutôt le coin des pêcheurs, des poissons, c'est ce qui aurait attiré le petit groupe. Hakim Jelili travaille régulièrement dans l'hôtel où vivaient les victimes. Les enfants ont voulu faire comme les pêcheurs en recherchant du poisson. Ils ont dû glisser, et comme c'est un bassin de décantation et qu'on a ça de vase, ils n'ont pas pu remonter à la surface à paix. C'est comme le principe des sables mouvants qui sont enfoncés. Le seul enfant resté sur la rive, âgé de 5 ans, se dirige vite vers l'hôtel. Il faut prévenir les adultes. Edgar Zakaria.